Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va s'attaquer sans plus attendre au troisième jour du tournoi Red aujourd'hui en ce beau quatrième. Excusez-moi, on est jeudi. Je vais y arriver. On est jeudi. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a de beau en défense? Ouh, 50-50. Ok, donc là j'ai autant de victoires que de défaites en toute logique. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 victoires pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 défaites. C'est bien ça. 8 et 8, 16. En tout cas, pour l'instant, je suis sur le fil d'Ariane. À partir du 7, un peu short. Mais en même temps, vu que là, on est l'avant-dernier jour, même si je perds, entre guillemets, vu que j'ai eu 3 bons jours à bon score et à bonne défense. Je pense mine de rien que les gemmes, il y a des chances que je les mette si jamais je me disqualifie. Mais bien sûr, l'objectif, c'est que ça n'arrive pas. Alors en face, on a enfin un mono bleu. C'est le premier du tournoi. Ce qui veut dire que peu importe la couleur, entre autres, j'aurai pas de points forts. Donc, ayant cela en tête. Il me faut un debuffer. Quoique le debuffer, je peux très bien faire avec du black Jokunheim, ce sera tout aussi bien. Tac et tac. Voilà, je vais faire une mini bêtise. Adjugé vendu. Adjugé vendu. Et c'est parti. Alors, on va faire du ménage pour commencer. Voilà, du bon ménage. Là, j'ai du bleu, j'ai du jaune, mais c'est pas encore ça. Là, j'ai du bleu en dessous. Il me manquerait un petit bleu, un tout petit minuscule. Et dommage, c'est pas pour maintenant. Là, par contre, ça va être compliqué d'avoir les sbires, là, par contre. Qui a la plus basse défense? 786, 652, ok, toi, non, 547, ah, peut-être toi, et c'est toi, donc, tac. Et hop, yes, j'ai plus les sbires, parfait. Oh, l'esquive, bien joué, pas deux fois, je pense pas. Ça aurait été trop beau. Là. Alors. Tac. Ça a plus d'effet positif. En plus, ils sont bloqués. Et ensuite, tac. Voilà. Le mec du centre, il est mort. Celui-là aussi, il est mort. Il reste plus que la petite dame du lac. Et surtout, les deux de droite. Sud-droite et sud-gauche. Hop. On se met en mode anti-sbire. Mais oui, on est large, largement bien. Bon bah, le puzzle a fait le taf. Caballero nocturno, te vence, oye, oye, mexicano, ya ici. Ensuite, déjà top 1. Bon, purée, ça va, alors je suis large. Trio bleu, et ensuite, un de chaque. Bon, on va rester comme ça. C'est parti. Alors, faire du ménage. Et du jaune. Là, je vais me faire un petit 4 bleu. Ça, c'est pas mal. Encore 3 de plus. C'est pas mal. Est-ce que. Non, je pense pas que je l'aurai. J'aurai peut-être le sbire au moins. Non, le sbire, il lui reste. Bah, si, je l'ai eu. Autant pour moi. Voilà. Ce serait cool si je pourrais l'achever avant qu'elle m'envoie une seconde flopée de sbires. Pour ce faire, on va aligner ces jaunes-là. Comme ça, on n'en parle plus et il n'y a plus de sbires casse-pieds. Là, ça c'est fait. Ensuite, tac. Pas tac, on va continuer d'achever l'aile droite. C'est l'aile qui est la plus entamée pour le moment. Nice, il reste des effets négatifs, ça c'est cool. Là j'ai quelques bleus, ça va être pas mal aussi.
Wow, purée. On se calme. Donc précision encore pour un tour. Est-ce que je peux attendre un tour? Alors non, vu que lui il risque de frapper quelqu'un, donc on va pas attendre. Eh ben, j'ai bien fait. Ok, là par contre ça commence à être dangereux. En plus lui il va frapper deux cibles. Là, j'ai un jaune et un bleu. Est-ce que ça va suffire? Non, hélas. Tac. Non, non plus. Purée, s'il frappe, je suis mort. Allez, un petit bleu derrière. Ah, c'est mort. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Dommage. J'étais pas loin. Wow, fichtre. Lui, je l'aime pas. Et bon, on va rester comme ça. Là, je suis sur le bout de la mort. Je suis sur le point de mourir. Hop, tac. C'est pas qu'il me faudrait du bleu genre là de suite, mais j'aimerais bien avoir eu du bleu là de suite. Parce que là, ils vont être en mode bourrin de service. Si en plus les trois frappent la même personne, comme par hasard, et ben c'est pas comme ça que je vais m'en sortir. Oui, que ça sent pas bon, et que ça sent pas bon. Bon, bah, adieu les sbires. Quarante-cinq chances, 10% d'esquiver, une chance sur deux. Est-ce qu'on est joueur? On essaye. Yes. Déjà, moi, ça te fait. Top, 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 top. Tac. Tac. C'est déjà un peu mieux, c'est pas encore ça. Ça sent la défaite. Je fais L, comme ça je me garantis des points. Allons faire du ménage. Ouf, non là c'est mort, Magnifique va attaquer et ça va être mort. Ça a des défaites, mais des défaites 1 point, mine de rien. Donc en termes de points, là, en défaite, j'ai 280, 280, 280 et 180. Ce qui revient à peu de choses près. J'ai à peu près, j'ai un peu plus de 1000 avec les défaites. Donc c'est comme si j'avais eu deux seules défaites au total. Est-ce que je mets les gemmes? Bon, oui, large quand même. Là, je suis quand même bien. On va faire honneur à ça et on poursuit l'aventure. N'y a aucun intérêt d'avoir d'effet positif par là. Je vais juste mettre un petit bourrin en plus. On va mettre un bon petit pouce ingénieur. Et tac tac. Alors j'ai du jaune. Et j'ai du jaune. On va s'arrêter là, je pense, au jaune. Encore trois jaunes. Si je pourrais avoir les jaunes juste avant, comme ça ils frappent tout le monde, et je les empêche d'avoir des sbires. Le nickel. Frapper bien tout le monde. Voilà, comme ça personne n'aura de sbires. Tant que tout le monde est immunisé aux sbires, on va provoquer Xavier, comme ça je sais qu'il va jouer pour rien. Voilà, ça c'est fait. Alors attention, quelqu'un peut potentiellement mourir. Ça va.
Tac. Vive les sbires. Toi, tu dégages. Ils sont tous en mode anti-sbire, du coup, ça me fait une belle jambe. Hop, hop. Et alors, tac, 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 en toute logique, ils sont tous morts. Sauf si elle esquive. Ah ben, elle esquivait. Hop. Tatatac. Tatatac. Ça, c'est fait. Et pour conclure. Non, je suis large. Et pour conclure, ici. Bon, on va rester comme ça. Let's go! Oh yes, ça, c'est beau. Le tech, comme ça, ils ont pas de défense et moi ça m'arrange. Ensuite, on va dégommer le Mistbeer, comme ça je suis sûr qu'il va pas m'embêter. Tac et tac. Voilà. Là, ensuite on va faire tac et tac. Parfait. Là, on va faire tac tac. En toute logique, ils sont morts sauf s'ils esquivent. Alors, moins 54 de glace, plus 54 d'attaque, en toute logique, est-ce qu'on croit aux 1000? Allez, lancez les paris, lancez les paris, go go go. Moi je me dis un petit 1000 peut-être. Oh non, ok, bon, 814, mais ça reste beau. Victory! Petit top 1, bien confort, large confort. Encore une fois, il est midi et quart, même heure que hier, ma foi, même pas fait exprès. Bon, on est pas mal, on est pas mal. La défense, ce serait cool s'il pourrait rester comme ça ou remonter, d'avoir un B plus confort, parce que là j'ai un B juste. Mais dans tous les cas, demain je repars avec la dernière journée avec jusqu'à 4 défaites acceptables, même si le but c'est de ne pas en avoir, on est d'accord. Mais tout de même, je m'en sors assez bien. Parce qu'encore une fois, j'ai beau avoir eu 4 défaites, c'était des défaites à points, donc ça fait quand même une bonne différence. En plus d'avoir une bonne défense, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de coutume, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très vite!